Après les incidents dans le centre-ville le week-end dernier, les commerçants craignent pour la sécurité de leur commerce. Le président de la CCI et la préfecture ont évoqué des solutions hier, notamment la création d'un groupe WhatsApp pour informer en direct les commerçants de la position des manifestants. Et face à la crise, certaines entreprises se réinventent et vous verrez qu'elles font parfois preuve d'une grande créativité pour contourner les contraintes sanitaires. Autre exemple d'adaptation à voir dans ce journal, un reportage autour du troc entre entreprises. Avec la crise, elles sont de plus en plus nombreuses à y avoir recours pour limiter leurs investissements. Mais d'abord, on l'a appris tard hier soir, Valéry Giscard d'Estaing est mort des suites du Covid-19. L'ancien président de la République, élu en 1974, était âgé de 94 ans. Figure de la vie politique française, il était le plus jeune président de la 5e République avant l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs salué cette nuit dans un communiqué un immense serviteur de l'État. Et vous voyez sur ces images des photos archives de ses nombreux passages dans la région, des photos à retrouver sur le site de sudouest.fr. C'était une table ronde attendue par le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. Patrick Seguin a rencontré la préfète de Gironde et le délégué départemental de la sécurité publique hier à la suite des incidents après la manifestation qui s'est déroulée le week-end dernier. Des pistes ont été trouvées pour sécuriser davantage les magasins. C'est ce qu'il nous disait hier au téléphone. Écoutez. C'est sur notre faim, puisque, comme l'a expliqué Madame la Préfète, elle ne peut pas, par la loi, interdire des manifestations dans ces jours où, pourtant, on a besoin que le commerce marche du mieux possible et de façon apaisée. Donc, on ne peut pas sacraliser un secteur en interdisant l'accès des manifestations. Et puis, en plus, les casseurs, ils n'ont pas besoin d'autorisation. Donc, ils se faufilent à travers les gens qui viennent faire leurs courses et ils sont difficilement gérables. Nous, ce qu'on a proposé plutôt, c'est de créer, dès aujourd'hui d'ailleurs, un compte WhatsApp sécurisé qui serait dédié uniquement aux commerçants et aux associations de commerçants en lien étroit avec la mairie et la préfecture, de façon à ce que on puisse ils puissent envoyer des informations à l'instant T lorsqu'il y a des débordements. Aujourd'hui, un organisateur d'une manifestation déclarée a la responsabilité du bon fonctionnement de sa manifestation. Et donc, il faut qu'il fasse attention parce que les débordements qui peuvent avoir lieu pendant ou à la suite de la manifestation peuvent leur retomber en termes de responsabilité pénale. Voilà, et plusieurs nouvelles manifestations sont justement prévues ce week-end dans le centre-ville de Bordeaux. Samedi, un rassemblement doit avoir lieu place de la Bourse à 14h contre la loi Sécurité globale. Et puis un autre partira de la place de la Victoire à 15h pour dénoncer l'augmentation de la précarité et du chômage. Pour faire face à la crise, ces institutions bordelaises se réinventent. Déconfinement oblige, les commerçants touchés de plein fouet par la crise sanitaire s'adaptent pour booster leur activité. Reportage auprès de ces grands noms du centre-ville bordelais qui font preuve de créativité avec Bénédicte Doin. Un pop-up store, la solution toute trouvée au casse-tête de la jauge de 8 mètres carrés par client. Grâce à cette boutique éphémère, la librairie Mola a désormais un deuxième point de vente. Un point de vente où les livres sont déjà emballés pour éviter la cohue des achats de Noël. On est ravis de pouvoir accueillir de nouveau les clients et puis d'une autre manière, différemment, dans ce pop-up store. Après cette année complexe que nous venons de traverser, il va falloir se réinventer, trouver des solutions. Notre site internet a été largement amélioré. Nos commandes internet, nous pouvons en assurer un grand nombre. On a réaménagé la logistique, on a fait tout un tas d'aménagements particuliers pour être opérationnel. Être opérationnel, c'est aussi l'objectif de Bordeaux City Tour. Aujourd'hui à l'arrêt, les bus à Impérial reprendront leur activité début mars. Une reprise que la société anticipe déjà avec son opération Offrez Bordeaux, une opération en soutien aux acteurs touristiques locaux. C'est une opération qui consiste à proposer des cartes cadeaux locales et solidaires qui permettent de découvrir ou redécouvrir la ville de Bordeaux sous un autre angle. Et l'objectif, c'est d'un côté, évidemment, de faire parler de nous et de permettre une reprise quand le Covid sera passé, mais également de valoriser nos partenaires, puisque ces cartes cadeaux sont proposées avec des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis déjà un certain nombre d'années.
À chaque institution, sa solution. Grâce à ce food truck, le restaurant du Grand Hôtel propose des menus à emporter, des menus réinventés pour surpasser la crise sanitaire. Tout le monde imagine bien que ça ne va pas résoudre la situation. Néanmoins, ça a double intérêt. C'est que, encore une fois, on reste visible et surtout en service des Bordelais et Bordelaises. Et deux, évidemment, ça a aussi un aspect économique à ne pas négliger. Le food truck sera de service jusqu'à fin février. Quant au Grand Hôtel, sa réouverture est prévue le 17 décembre. Et avec la crise, de nombreuses sociétés font face à des problèmes économiques et notamment des problèmes de trésorerie. Difficile en effet dans ces conditions d'investir pour acheter du matériel. Alors pour y faire face, le troc entre entreprises s'organise. Trois plateformes numériques en France en ont d'ailleurs fait le cœur de leur activité. L'une d'entre elles est basée à Bordeaux. Reportage avec Franck Poirot. C'est depuis son bureau et son ordinateur que Franck Blanchard, vigneron dans le Blayais, achète du matériel professionnel sans avoir à toucher à sa trésorerie. Franck Blanchard est un adepte du troc inter-entreprise via une connexion sur une plateforme numérique Barterlink. Son dernier achat a eu lieu en septembre dernier. Ce viticulteur a acquis trois jarres en terre cuite pour les besoins de vinification d'une cuvée particulière de sa propriété. J'ai pu les acheter parce que j'ai vendu du vin sur cette plateforme auprès d'autres entreprises. Et voilà, ça nous permet donc de faire des échanges de produits sans débourser d'euros. Le principe est simple, ce vigneron vend des bouteilles de vin à d'autres sociétés via la plateforme Barterlink. Le fruit de cette vente est crédité sur un compte, il peut ensuite être dépensé sur les achats souhaités par ce vigneron. Toutes ces transactions ne se font pas en euros, mais dans une monnaie virtuelle propre à ce réseau d'échanges. Ces quatre dernières années, Franck Blanchard a eu recours à ce système pour acheter des jarres de vinification, donc, mais aussi des services comme du conseil juridique par exemple auprès d'un avocat, le tout sans avoir à débourser le moindre euro. Avec ça, comme on ne touche pas à la trésorerie, on ne débourse pas d'argent, mais j'ai pu acheter des choses que j'aurais peut-être reportées dans le temps parce que ma trésorerie ne me le permettait pas. La plateforme Barterlink regroupe 1500 entreprises en France, dont 1200 sont situées en Nouvelle-Aquitaine. Ce réseau revendique d'ailleurs sa volonté d'aiguiller ce troc inter-entreprise au niveau local. L'adhésion à ce réseau est payante. Barterlink prélève en plus une commission sur chaque transaction. Depuis le début de la crise sanitaire, elle a vu doubler le nombre d'échanges entre entreprises par rapport à l'année 2019, même si dans le même temps, une cinquantaine d'entre elles présentes sur ce réseau l'an dernier ont disparu à cause du contexte économique lié à la crise du coronavirus. Voilà, et à ne pas louper sur notre antenne ce soir votre hebdo éco. Quel avenir pour l'industrie dans la région ? Nicolas César en parle avec ses invités ce soir sur TV7. Le sport et ce projet de reprise sur la table pour les Girondins de Bordeaux. Pascal Rigaud, un homme d'affaires bordelais, aurait monté un dossier avec un businessman américain pour racheter le club. C'est ce que révèle Sud-Ouest ce matin. Le projet est au point mort, mais King Street, le propriétaire et actionnaire, maintient les discussions. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.